Allô? Oui, bonjour madame, excusez-moi de vous déranger. Je téléphone à propos de l'annonce pour la chèvre à vendre. Ah ben, elle est déjà vendue, monsieur. Ah bon? Vous n'en avez pas une autre? Oui, mais ça, c'est une plus vieille, Mais je m'en fous, je suis une vieille personne, vous pouvez me filer une vieille. Je suis tout seul pour le moment et... Pardon? Je suis une vieille personne toute seule et... rien ne va bien pour moi, j'ai besoin d'un peu de compagnie, voyez-vous. Je me disais qu'une chèvre... Attendez, hein. Ouais. Tant qu'à faire. Encore pour la chèvre. Allô? Oui, allô, monsieur, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je téléphone parce que j'aimerais bien vous acheter une chèvre. Oui. Il paraît que vous en avez une vieille. Vieille. Alors, 45 ans. Ouais, c'est plutôt jeune pour une chèvre, mais bon, c'est quand même pas trop vieux pour un être. Pardon? C'est pas trop vieux pour un être, pour eux. Ben non, on peut encore facilement faire autant, hein. Oui. Parce que voyez-vous, je suis une vieille personne, moi, et j'ai besoin d'un peu de compagnie pour... Ah oui. Hein. Normalement, j'allais pas la vendre, parce que... Mais je m'en occuperai bien, vous savez. Oui. Matin, midi, soir... Vous habitez où? Ouais, j'habite à Bruxelles, mais je peux venir la chercher chez vous. Oui. Vous vouliez pas la garder pour vous? Bah, j'aime bien la garder, mais... Ah, vous aussi, vous... Ben oui, on s'attache à... Ouais, je comprends, ben oui. Mais c'est vraiment une brave bête, hein. Mais si vous voulez, moi, je la prends de temps en temps, et puis je vous la rends... Ça, on peut... Oui, et quand vous avez fini, vous me la rendez, hein. Oui, vous avez beaucoup d'herbe, hein? De l'herbe, oui, j'ai un petit jardinier. Mais bon, ça ne fait qu'un art, alors quand elle a tout brouté, ben, je vous la rends, vous... Et puis j'attends que l'herbe, elle pousse, et je la remets chez moi. Ben, à l'occasion, on peut faire ça, hein. Ou une petite bouffe ensemble, avec votre chèvre, votre femme. Pardon? On peut faire une petite bouffe ensemble, vous, votre chèvre, votre femme. Ben oui. Oui. Elle a des mamelles, la chèvre, parce que quand j'aime bien... J'ai vendu son jeune, il y a un mois. Elle est affectueuse? Oh ouais, terrible. Elle a, ouais, quand vous la touchez, elle se débat pas, elle... Oh non, vous pouvez lui donner des bisous. Ah aussi, alors il faut la retourner pour donner des bisous. Non, ben venez la voir, hein, on s'arrange. Ouais, ça va, je viens, je l'essaye, et si elle me plaît, ben je repars avec. Hein. Ben ça va. Voilà, et n'utilisez pas trop avant que j'arrive. Non. Monsieur. Oui. Quand elle sera chez moi, si vous voulez lui écrire, vous pourrez, hein. Oui. Allez, au revoir. Hein. Vous pensez quand? Demain. Demain à quelle heure? Quand je veux. Ah oui, mais parce que moi je dois être là. Hein. Mais laissez la chèvre, hein, je la verrai bien. C'est mieux que la première fois je la vois, sans que vous soyez là pour pas faire de jalousie. Oui, mais tout est clôturé ici. Oui, mais je sauterai la clôture et puis je sauterai la... Oui, c'est pas si facile. Allez, au revoir. Oui, au revoir. Ah ouais, ben il me reste plus que ça, petite chèvre.